Chers amis, bienvenue encore une fois à notre série de causeries ayant pour titre Comment vivre le réveil en période de crise Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie de notre étude du livre de Jonas. Notre sujet du jour s'intitule Comment vivre la conversion en temps de crise Mais avant d'entrer dans cette étude, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous réclamons ta grâce, ta bénédiction et ta présence, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole. Éclaire-nous, nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Il y a un lien direct entre la proclamation de notre foi et la conversion du monde. Bon nombre ne connaissent pas encore Dieu parce que l'Église est demeurée silencieuse trop longtemps. Et l'Église est silencieuse parce qu'elle s'est endormie. L'Église est silencieuse parce qu'elle n'a rien à dire. L'Église est silencieuse parce qu'elle a oublié pourquoi elle existe. Ce n'est que lorsque l'Église prend conscience de sa vraie identité que l'on peut nourrir l'espoir d'une conversion du monde. L'Église a besoin d'un réveil. Le réveil n'est donc pas seulement pour le bénéfice de l'Église, le réveil est aussi pour l'intérêt du monde. Une Église renouvelée est l'un des meilleurs arguments en faveur de l'évangile. Un chrétien ravivé est l'une des meilleures démonstrations de la réalité de Dieu. L'Église a besoin d'un réveil. Quand l'Église est endormie, elle passe inaperçue et n'a aucun impact autour d'elle. Mais quand l'Église se réveille, de sa léthargie et prend position pour le Christ, elle devient alors un agent de changement positif pour le royaume de Dieu. L'Église a besoin d'un réveil. Et parfois, il suffit d'une crise pour que l'Église reprenne sa vraie identité. Parfois, il suffit que le chrétien passe par une crise pour qu'il... Reprennent sa vocation. Et c'est ce que nous voyons ici dans le cas de Jonas. Celui-ci dut passer par une tempête avant qu'il ne confesse sa foi en Dieu, ce qui par la suite déboucha sur la conversion des marins. Que dit Jonas qui provoqua la conversion de l'équipage du bateau? Que dit-il à propos de Dieu, qui causa les marins à interrompre leurs cris vers leur Dieu et se tourner vers le Seigneur? Qu'a-t-il déclaré à ces marins païens pour qu'ils passent du tirage au sort à l'offrande d'un sacrifice au Seigneur? Que s'est-il passé? Au verset 9, la Bible nous dit ceci. Nous lisons sa confession. La Bible nous dit, il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Découvrons les trois éléments euh, importants euh, de cette confession. Jonas déclare trois choses importantes. Premièrement, que Dieu est le Dieu de son peuple. Deuxièmement, que Dieu est aussi le Seigneur de toute la, la création. Et troisièmement, que nous devons rendre compte à ce Dieu. Trois points essentiels que nous voyons ici. Premièrement, Jonas s'identifie comme appartenant à Dieu, en six mots: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, ou j'adore l'Éternel. Se proclamant hébreu, euh, Jonas lit son origine et son identité à Abraham. Il s'identifie ainsi à l'histoire du salut, à ce Dieu qui fit passer son peuple des ténèbres à son admirable lumière. Et même s'il partage un lien commun, avec le commun des mortels, avec cette humanité déchue, Jonas savait qu'il avait aussi une identité distincte, parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. C'est ce peuple qui avait une alliance spéciale avec Dieu. Jonas affirme ici son identité et son allégeance envers le vrai Dieu. Jonas n'a pas honte de confesser sa foi en Yahweh, l'Éternel. Son Dieu n'était pas une idole ni une divinité distante. Son Dieu n'est pas un Dieu abstrait, mais c'est le Dieu qui s'implique concrètement dans la vie de ses enfants. Jonas parle ensuite de Dieu au verset 9 comme étant celui qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu de Jonas ne ressemble pas au Dieu des marins. Il n'est pas limité à un territoire. Il n'est pas circonscrit à une ville. Il n'est pas cantonné à un clan ou à un groupe. Il est au-dessus de toute la création. Il est le tout autre, celui qui donne la vie et qui donne aussi le sens à la vie. Il n'a aucun égal. En relation au temps, il est éternel. En relation à l'espace, il est omniprésent. En relation à la connaissance, il est omniscient. En, en relation à la puissance, il est omnipotent. Dieu est Dieu. Il n'est pas limité par les circonstances. Il n'est pas piégé par les adversités. Il est l'Éternel. Jonas parle aussi de Dieu comme étant le Dieu à qui nous devons rendre compte. Dans sa déclaration, Jonas fait aussi savoir aux marins que le Dieu qu'il sert est aussi celui à qui nous devons rendre compte. Une fois que Jonas eut révélé le Dieu qu'il servait, les marins furent pétrifiés de peur. La Bible nous dit au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela et ensuite, la, la Bible ajoute, car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Dieu, loin de la face de l'Éternel, par ce qu'il leur avait déclaré. Au début, les marins questionnèrent Jonas concernant son identité. Qui es-tu Mais à présent, ils sont stupéfaits des actions du prophète. Pourquoi as-tu fait cela Cette question est, est identique à celle posée à, à Adam et à Ève par Dieu dans le Jardin d'Éden. Jonas, comment peux-tu fuir le Dieu que tu dis servir Tu as un gros problème, mon ami. Comment as-tu pu faire cela Voyez-vous, quand nos actions... Contredisent notre profession de foi, nous jetons les gens dans la confusion et mettons leur vie en danger. Et c'est ce que nous voyons ici avec Jonas. C'est ce que nous rencontrons ici à travers son expérience. Et j'aimerais ici avoir une brève pensée sur le réveil. Imaginez que, terrifié par la Férocité grandissante de la tempête et confrontés aux exigences divines sur leur vie, les marins demandent à Jonas Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous Celui-ci ne peut que répondre Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas reconnaît sa culpabilité. Jonas sait pertinemment bien qu'il s'est égaré loin de Dieu et qu'il mérite la condamnation divine. Jonas sait qu'il a tort. Et l'attitude de Jonas illustre ce qui se passe dans n'importe quel réveil. Le premier stage du réveil et cette prise de conscience que le Dieu saint est au milieu de nous, quoi qu'on soit loin de lui en raison de nos péchés, nous nous apercevons que notre condition pécheresse mérite le jugement de Dieu. Nous, nous, nous sommes conscients d'avoir mal agi. Nous, nous, nous sommes conscients que nous avons mal agi et que nous sommes égarés. Nous nous sommes égarés du droit chemin. Nous réalisons que notre situation est complètement désespérée. Mon ami, êtes-vous satisfait de votre situation Êtes-vous satisfait de la situation de l'Église ou sentez-vous qu'il y a quelque chose qui manque Qu'il y a quelque chose à faire Êtes-vous conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement Êtes-vous conscient de la situation Si tel est le cas, vous êtes probablement sur le point de faire l'expérience du réveil. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas là. Vous ne pouvez pas jouir seul du réveil, avoir cette expérience extraordinaire, tout en demeurant indifférent au sort de ceux qui vous entourent. Non, ce n'est pas possible. Ainsi, nous voyons, ici, nous voyons ici que, après avoir pris conscience de sa, rébellion et de sa rébellion et du jugement de Dieu qui pèse sur lui, Jonas prend aussi conscience de la situation des marins et il veut y remédier au plus vite. Il sait que les marins sont en danger et il est prêt à se sacrifier pour sauver leur vie. Voyez-vous, le réveil arrive quand nous pensons aux autres. Jonas est prêt à payer de sa personne pour que les autres soient sauvés. Jonas ne, ne veut pas la mort des marins. Il sait qu'il détient la clé à leur salut. Jetez-moi. Par-dessus bord, laissez-moi mourir. Quelle, la, quelle fut la réaction des marins Le verset 13 nous dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Les marins. Essayèrent de leur mieux pour épargner la vie de Jonas, ne sachant pas que Dieu les poussait dans leur dernier retranchement au point qu'il ne leur restait qu'une seule chose à faire, chercher sa face, s'abandonner à lui. Ainsi le verset 14 déclare, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô oh, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, éternel, tu fais ce que tu veux. Êtes-vous au milieu d'une tempête, à l'heure où je vous parle Avez-vous tout essayé Êtes-vous pris dans, dans cet étau et vous ne pouvez plus vous en libérer Avez-vous tout essayé et vous vous rendez compte que la tempête fait toujours rage Rappelez-vous d'une chose. La tempête incessante concourt souvent à nous rapprocher de Dieu. Oui, le vent peut être en train de faire rage, les vagues peuvent être en train de s'abattre, votre bateau menace de couler. Il se pourrait même que vos forces vous abandonnent. Mais rappelez-vous néanmoins que la tempête incessante concourt souvent à nous rapprocher de Dieu. Êtes-vous en train de vous demander pourquoi pourquoi moi Ou encore, pourquoi maintenant Rappelez-vous que la tempête sert souvent à nous rapprocher de Dieu. Vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe. Vous pouvez ne pas aimer ce qui vous arrive. Personne n'aime la tempête. Personne n'aime être secoué de part et d'autre. Personne aime les jours nuageux, les éclairs qui fusent, les pleurs dans la nuit. Mais souvenez-vous d'une chose la tempête incessante concourt souvent à nous rapprocher de Dieu. Tenez bon, tenez ferme. Et parfois, vous vous demandez, quel est le but de la tempête pour moi Franchement, je l'ignore. Mais une chose est sûre, je sais que Dieu est avec nous quand nous faisons face à nos tempêtes. Je sais que Dieu est avec nous quand nous sommes au beau milieu de la tempête et il veut nous sauver. Parfois, Dieu cache ses plus grands biens. Parfois, Dieu cache ses plus grandes bénédictions au sein même de la tempête. Regardez les marins. Ils furent convertis au milieu de la tempête. Comment savons-nous qu'ils ont connu la conversion Voyons trois éléments qui confirment leur expérience de conversion. D'abord, ils prièrent. Le verset 14 nous dit, Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et nous ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Vous vous rappelez qu'au début du récit, la Bible nous dit qu'ils implorèrent chacun leur Dieu. Mais maintenant, au milieu de la tempête, ils invoquent l'Éternel. Quand vous rencontrez le vrai Dieu de façon véritable, vous ne pouvez que vous tourner vers lui. Vous ne pouvez que lui dire, Seigneur, prends tout, prends toute ma vie, j'ai besoin de toi. Et c'est ce qui se passe ici. Et voici donc une autre pensée concernant le réveil le réveil est toujours connecté à la prière il ne peut y avoir de réveil sans prière oh combien nous devons prier combien nous devons rechercher la face de dieu comment combien devons-nous vraiment prier l'église ne peut avancer dans la sainteté sans la prière. L'Église ne peut connaître le succès sans la prière. Pas d'onction sans prière. Pas de changement sans prière. Vous allez voir ici comment les marins prient. La Bible nous dit ils invoquèrent l'Éternel et dirent Ô oh, oh, Éternel Sentez-vous l'intensité. Sentez-vous ce sens du désespoir. C'est le genre de prière qui apporte le réveil. Non pas des prières occasionnelles ou des prières indifférentes. Non, ce genre de prière ne peuvent apporter le réveil. Ce dont nous avons besoin, ce sont des prières intenses, ce sont des prières passionnées. C'est se ce donner au Seigneur de tout notre cœur. Et c'est ce que nous voyons ici avec les marins. Après avoir prié, il est dit au verset 15 que les marins prièrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Écoutez ce que la Bible dit au verset 16. Il est dit Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Nous voyons ici le second signe de leur conversion. Ils eurent la vraie crainte de Dieu. Vous remarquerez que les marins craignirent d'abord la tempête. Puis les marins redoutèrent le Dieu de Jonas car ils comprirent que le Seigneur était derrière cette terrible tempête. Mais maintenant la Bible nous dit au verset 16 qu'ils craignent Dieu après la tempête. Et c'est ce qui est extraordinaire. Remarquez qu'ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel après qu'ils furent sauvés. Et cela indique que la nature de leur crainte était bien différente. D'abord, leur crainte était de l'ordre de la terreur. Mais maintenant, elle est celui de la révérence. avant ils ne connaissaient pas dieu et ils en étaient terrifiés. mais maintenant ils connaissent dieu et ils révèrent son nom. mes amis c'est dans cette confrontation avec la grâce et la puissance magnifique de dieu c'est cette rencontre c'est ce contact qui suscite en nous la crainte de l'Éternel, la façon dont il agit avec une telle force et une telle tendresse nous conduit à le prendre sérieusement et à le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui nous amène au troisième et dernier point. Ils adorèrent Dieu. Le verset 16 dit que ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Bien qu'ayant eu une rencontre directe mais brève avec le Créateur, le Dieu souverain et le juge de la création, celui qui règne sur les vagues et la mer, leur sauveur, qu'est-ce qu'ils font Ils l'adorent. Voyez-vous, l'adoration est l'élan gratuit de notre cœur face à la révélation divine. Quand nous rencontrons l'Éternel et le reconnaissons pour ce qu'il est, nous ne pouvons que l'adorer. L'attitude des marins est fort louable. Ils répondirent du mieux de leur capacité en offrant ce qu'ils pensèrent être les gestes les plus appropriés, c'est-à-dire offrir un sacrifice et faire des vœux. Constatez encore l'ordre. Ils ne firent pas de sacrifice à l'Éternel durant la tempête dans un effort d'apaiser sa colère. Non. Tout le monde peut le faire. Quand on est au beau milieu d'une tempête, on peut faire des vœux, on peut faire des sacrifices pour que la tempête se calme. Non, ce n'est pas ce qui se passe ici. Ils ne firent pas des, des, des vœux pieux alors qu'ils étaient au beau milieu de la tempête et que leur vie était en danger. Ce n'est pas ce qu'ils font ici. Il est facile d'agir ainsi en pleine tempête. Les marins exprimèrent leur remerciement à travers des sacrifices et dédièrent leur vie à Dieu en faisant des vœux. Après la tempête, et nous entrons ici au cœur même de l'adoration, c'est le don total de soi à Dieu. Dans Romains 12, le verset premier, Paul appelle, rappelle les premiers chrétiens je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'adoration authentique est la consécration totale à Dieu. C'est l'engagement complet de notre vie à Dieu. Et la question que je me pose est celle-ci: Sommes-nous de vrais adorateurs Je ne parle pas ici si nous allons à l'église régulièrement ou si nous faisons partie de la chorale ou pas, voire si nous prions à la maison. Non, ce n'est pas de cela dont je parle ici, non. C'est beaucoup plus que cela. L'adoration, c'est beaucoup plus que cela. Je parle ici d'une chose plus importante. Avons-nous offert notre cœur à Dieu sans réserve Sommes-nous totalement engagés dans le service C'est ça, la vraie adoration. Et c'est l'offre que Dieu nous fait. Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur. Nous sommes créés pour adorer. Nous sommes sauvés pour l'adorer. Nous évangélisons afin que d'autres viennent. À l'adorer en tant que Créateur, en tant que Sauveur et Seigneur, en tant que Souverain Juge, Dieu nous appelle à, à travers notre adoration à emmener d'autres dans cette même adoration. Et cette adoration, c'est le don total de soi, le don complet de sa vie, c'est se donner entièrement à Dieu. Notre mission en tant qu'église est d'inviter les hommes et les femmes à adorer le vrai Dieu. Vous connaissez sans doute ce verset du livre de l'Apocalypse, le chapitre 14. On parle du verset 6 et aussi du verset 7. La Bible nous dit ceci: Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voyez-vous le parallèle qui existe ici entre ce texte de l'Apocalypse et ce qui s'est passé sur le bateau Dans la tempête, ils rencontrèrent, la Bible dit, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ils virent combien il, 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 ce Dieu est puissant pour les délivrer du chaos et du néant et de la mort. Et ils prirent conscience que l'Éternel avait entière souveraineté sur toute sa création, qu'il était le juge. Par conséquent, les marins adorèrent Dieu en tant qu'unique créateur, puissant, rédempteur et souverain juge. C'est ce qui se passe ici. Chers amis, sentons-nous l'importance de venir à Dieu par la confession et la conversion Sentons-nous le besoin de venir à Dieu par la repentance et le renouvellement Sentons-nous notre besoin urgent d'un réveil et d'une réforme profonde Mes amis, le temps est grave et nous devons prendre position pour le Christ. Chers amis, le temps passe et l'éternité s'approche à grands pas. Nous avons besoin de prendre position pour le Christ. Nous devons l'accepter comme Sauveur, comme Seigneur, comme celui qui a créé toutes choses et celui qui est le souverain juge. Chers amis, sans Christ, notre vie ne sert à rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme pourquoi sacrifier la vie éternelle au profit de ces quelques années qui nous restent à vivre sur cette terre Dieu nous appelle à accepter l'évangile. Dieu nous appelle à accepter ce don gratuit que nous offre Jésus-Christ à travers son sang qu'il a versé sur la croix. Et il dit, mon ami, accepte ma main. Accepte mon offre, accepte ma grâce, et tu seras avec moi au ciel un jour. Chers amis, Dieu nous fait la promesse d'une conversion profonde si nous nous abandonnons à lui. Voulez-vous le faire Il n'est jamais trop tard. Dites oui au Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, tel que nous sommes, nous venons à toi. Pauvres pauvre pécheurs, nous prions à ce que ta main nous saisisse et nous bénisse, nous dirige et nous fortifie, afin qu'un jour, nous puissions vivre l'éternité avec toi. C'est notre prière. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers amis, ça a été un grand plaisir, une fois de plus, pour moi de vous partager la, la parole de Dieu. En attendant notre prochaine rencontre, j'aimerais vous inviter à lire le chapitre 2 du livre de Jonas. Ma réflexion aura pour titre Comment prier en eau profonde. Comment prier en eau profonde N'oubliez pas, un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche. Que Dieu vous bénisse.